Salut les amis, bienvenue ici à Vresse sur ce mois en Ardenne belge qui vibre depuis tout à l'heure au son de la musique, mais pas que. On a ce premier festival des bières triples en Ardennes, un premier festival organisé par l'organisation de voyage qui s'appelle Échappée Bière, tout un programme. On va vous présenter le menu de ces deux jours, puisqu'on est là au cœur de Vresse-sur-Semois. On est juste à côté du centre d'interprétation d'art, un joli endroit. Et puis le village est aussi traversé par la Semois, et puis on est dans cette ambiance verdoyante. Bref, un beau cocktail, si vous aimez la bière, en particulier la bière triple, eh bien, venez découvrir ce premier festival en ce moment-là, jusqu'à ce soir, et puis encore demain. Alors, la bière triple, c'est vrai que tout de suite, il y a un mystère, beaucoup de mystères autour de cette bière. Est-ce que, Adrien, toi qui es l'organisateur de cette manifestation, déjà, on va définir ce que c'est une bière triple. Est-ce que c'est triplement malté ou est-ce que c'est déjà une triple fermentation? Bonjour Adrien. Bonjour. Alors, triplement malté, on pourrait dire comme ça. Triplement fermentation, non, c'est un petit peu compliqué. C'est un style historique en tout cas qui est... qui trouve ses racines dans les bières d'abbaye. On avait énormément ici d'abbayes qui produisaient de la bière en France, dans le nord de la France et en Belgique. Et du coup, c'est un petit peu le style emblématique de l'Ardenne transfrontalière. Et c'est pour ça qu'on a voulu faire un festival qui lui rend hommage. Alors, votre organisation, donc l'Échappée Bière, on va vous faire une petite visite de ce festival. Vous voyez déjà derrière nous des stands de brasseurs. L'Échappée Bière, c'est original votre mouvement parce que c'est itinérant. Vous voyagez un petit peu depuis la France, mais aussi la Belgique pour proposer eh bien, un voyage brassicole. Découvrir la bière et puis découvrir le territoire. C'est un peu ça votre philosophie? Ouais, notre philosophie, donc on est une agence qui a été créée il y a 10 ans maintenant, qui est basée à Lille, mais qui travaille sur le Grand Est, les Hauts-de-France et toute la Belgique. Et donc notre philosophie, c'est vraiment de mettre en avant les producteurs de bière artisanale, d'aller à la découverte, pas seulement de la bière, mais aussi du patrimoine local et de faire découvrir ces régions-là, effectivement à travers ce fil rouge qui est la bière, donc à travers des événements et des voyages. Si vous venez de nous rejoindre, donc on est en direct depuis ce premier festival des bières triples à Vresse-sur-Semois, sous le soleil. En tous les cas, tout se passe bien. Vous avez vu une première partie à l'instant. Voici la deuxième partie à l'image avec des concerts, des animations. Et puis donc, vous avez une quinzaine de brasseurs et plus d'une centaine de bières proposées. C'est ça, donc il y a 15 brasseries de l'Ardenne transfrontalière essentiellement, il y en a 13 qui viennent de l'Ardenne, deux invités qui viennent d'autres régions, du coup, en l'occurrence de Charleroi, et du coup on propose aussi de la restauration, des jeux pour les enfants, et du coup des concerts à travers deux scènes, une scène rock comme on peut le voir ici, et une scène plutôt musique électronique de l'autre côté. Ok, j'espère que vous nous entendez encore parce que là le son pulse derrière nous avec ce concert, ce petit groupe de rock qui va bien pour cette soirée. J'espère que vous allez venir en tous les cas, on va essayer de vous présenter un ou deux stands de brasseurs. Alors ici on trouve des bières belges bien sûr, mais j'ai vu qu'il y avait beaucoup aussi de frontaliers d'Ardennais en tant que brasseurs présents. Voilà, ça, donc moi je suis natif de l'Ardenne et c'est un petit peu mon leitmotiv de représenter, de gommer cette frontière qui existe parce que culturellement, l'Ardenne, voilà, on est un seul et même peuple entre guillemets qui avons un tas de choses en commun et le but c'est de promouvoir à travers la musique puisque ce sont des groupes franco-belges mais de l'Ardenne et les brasseries c'est la même chose. Ok, merci Adrien de nous avoir présenté ton premier festival. Voilà, on va aller voir tout de suite la brasserie Charlier pour sonder un petit peu ses impressions. On te souhaite un très bon premier festival avec d'autres éditions, j'espère, à la clé. L'Échappée Bière, vous avez une page Facebook, on peut vous retrouver facilement sur les réseaux. Ouais, c'est ça, Échappée Bière sur Instagram, sur Facebook et échappée-bière.com. Voilà, si vous êtes amateur de bière, connectez-vous. En tous les cas, il y a beaucoup de brasseries, on vous l'a dit, et l'entrée est complètement gratuite. Simplement, vous allez payer le verre qui va vous permettre eh bien, d'égrener tous les stands le temps que vous voulez, en toute convivialité. Vous paierez le verre, mais l'entrée est libre et gratuite, donc ne vous privez pas. En tous les cas, bien sûr, on vous le rappelle, toutes ces bières sont à consommer avec modération pour votre santé. Alors j'essaie de voir si...
le monsieur de la... Ah, ben, elle est là. Voilà. Salut, toi. Comment ça va? Qu'est-ce qui se passe ici dans le stand? Oh, c'est génial. Il y a de la bonne bière. Il y a de la bonne triple. Bock. Alors, présente-nous déjà ton établissement. Alors là, c'est la brasserie Charlier et Fils. Donc, on est de Warcq. Et donc, pour ceux qui ne connaissent pas, ben, nous, on a la brasserie, mais on a aussi de la distillerie. On fait du whisky. On fait du Jet 08. À vraiment à découvrir. Alors, la triple que tu proposes ici, c'est ambrée ou blonde? Oui, c'est de l'ambrée. Pourquoi vous avez choisi la triple en ambrée, la fabriquer de cette façon? Donc, en fait, on l'amène juste pour l'occasion. À la base, l'ambrée qu'on a faite n'était pas terrible. Donc, on a décidé de la rebrasser. Donc, on a rebrassé l'ambrée plutôt que de mettre de l'eau. Ben, on a rebrassé la bière. Et donc, on l'a sortie à 9 degrés. Et il faut venir la goûter. Et puis on vous connaît aussi, hein, le petit clin d'œil évidemment par ce fameux whisky ardennais, le seul et l'unique. Il est toujours pris d'assaut. Toujours, pareil. Donc là, on a sorti la quatrième année. Donc toi, t'étais venu à l'époque pour la première année, et maintenant on a la quatrième. Ok. Et alors les réactions des clients? Ah, génial, magnifique. On a plus rien. C'était pas gagné, hein, parce que je crois que le temps de distillation, etc., c'est 4 à 5 ans. 5 années. Voilà, 5 années. Donc, c'est un peu le mystère, c'est un peu une improvisation à la base, et surtout la découverte au final. Vous saviez pas si ça allait être bon ou pas bon. Mais excellent. Le produit est excellent, donc ça marche très très bien. On a fait une porte ouverte au mois de mai, et là, t'aurais dû venir. Super. Bah, tu nous inviteras pour la prochaine, hein. Voilà. Établissement Charlier à Warcq, merci, hein. Il y a plein de stands, on vous l'a dit, donc n'hésitez pas les amis, on vous attend ce soir, tranquille. La musique est bonne, l'ambiance est super sympa, et puis la météo est impeccable pour déguster ce fameux breuvage, les bières triples. Ça se passe ici, donc à Bresse-sur-Semois, pour ce premier petit festival bien sympathique. On vous souhaite un bon week-end, à bientôt.